N'oubliez jamais de vous servir dans votre vie de tous les éléments qu'Hachem vous a confiés pour pouvoir en faire des choses extraordinaires. Vous voyez, regardez par exemple, vous voyez ce bâton-là ? Ce bâton-là, on peut ou frapper quelqu'un avec, ou s'en servir pour montrer une direction, ou s'en servir pour bloquer une porte, ou pour faire des crayons avec, on peut faire des crayons avec, d'accord ? Mais servez-vous à bon escient de tous les éléments qu'Hachem vous a donnés dans votre vie. Quand je parle de tous les éléments, c'est y compris même les sentiments qui pourraient être des sentiments douloureux, comme par exemple la solitude. Servez-vous de ce sentiment-là de solitude pour, par exemple, construire une famille. Il y a des gens que la solitude va les détruire complètement et ils vont rentrer dans la dépression, la tristesse et même des fois le suicide, chas v'shalom. Ou au contraire, il y en a qui vont se servir de la solitude pour vouloir se marier et construire une famille et construire un couple ultra, hyper épanoui. Donc tout dépend de nous, à nous de se servir de chaque élément qu'Hachem nous a donné pour en faire la plus belle de toutes les vies. Bracha v'atzlacha, bruchim tiu.